Salut les gars, bonjour à tous. Salut. Salut. Aujourd'hui, nouveau sujet. On est du coup, on est là fin septembre et c'est bientôt. On a eu les nominations pour le Grand Prix de haute horlogerie de Genève. Et je Ah. voulais balayer avec vous les nominés et qu'on voit un peu qui seront les gagnants de ce Grand Prix, quoi. Faire un peu nos pronostics avant que le Ouais. verdict tombe. Ah, c'est pas ouais. Pas mal. Donc j'ai sauté les modèles pour femmes. Je pense qu'ils nous intéressent le plus, c'est les modèles pour hommes. Ça Ouh, permettra de ah faire ouais, une pas vidéo. mal. Permettra de faire Alors, une on vidéo travaille pas avec trop longue. combien? Donc voilà, je comptais balayer chaque catégorie et chacun on en choisit une là-dedans. Donc on commence par la catégorie montre pour hommes. Montre pour homme pouvant présenter uniquement les indications du temps suivantes, heure, minute, seconde, date simple, jour du mois, réserve de marche, phase de lune classique, et pouvant bénéficier au maximum d'un sertissage total de 5 carats. Donc on a Ouais. l'Octo Finissimo en acier, la De Béthune Starry Sky, la Laurent Ferrier Origine Green, la Voutilin 28 SC en bleu, Romain Gauthier Micro-Rotor Squelette et la Peterman Beda Deadbeat Seconde, qui, pour Ok. info, a un mouvement à l'arrière qui est magnifique aussi. Donc là, Ok. on dit celle qu'on préfère ou celle qu'on pense qui Ouais. va gagner? Ah, pardon. Non, ou comme vous voulez. Alors la Bulgarie, je pense qu'elle ne sera jamais primée. Non, elle a déjà eu plein de prix, puis Ouais. Laurent Ferrier, je crois que trop Laurent simple. Ferrier, c'est un peu le même mouvement que le micro galet, non? Ouais, c'est une galère, ouais. Ouais, donc Je crois. Ouais. je vois pas pourquoi il lui donnerait La pas deux secondes. Peterman, elle est très 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 bien. Ah non, c'est pas une galère. Tu vois, c'est un autre mouvement. C'est pas Ah une ouais. micro-rotor. Non, Non. mais la Peterman avec, avec la seconde morte. Ouais, tu peux regarder la Peterman, ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. Celle-là, c'est un bon candidat. En plus, avec le squeletté, tu sais, Le mouvement, il est assez dingue aussi. Ah ouais, il est chouette, hein. Ouais. Faut qu'on essaye de valider nos choix. Il y a pas mal de catégories, les gars. Ok, Ok, allez, moi, allez, on Peterman. avance. Très bien. Donc, tu penses que Peterman va gagner? Ok, Ouais. et on fera un petit post pour voir qui va Ouais, gagner. cool, grave. On fera un update. Romain Gauthier, je crois que Romain Gauthier n'a jamais gagné, mais là, j'aime pas du tout son modèle. Non, c'est pour le bracelet bleu Gagner. comme ça et tout, c'est. Moi, je Allez, vais moi, dire la donc. De Béthune. Débéthune, Ouais, on De note, Béthune, tu c'est pas notes, mal. donc Vince Débéthune et moi, Peterman. La De Béthune est pas mal. C'est du. C'est. Comment s'appelle le. C'est bien, La, faux. la... On a dit, vas-y, active, tout, J'active, c'était j'active. top. Ok, donc je pose pas de questions sur la débétune. Le cadran, il est en quoi, juste sur la débétune? Je sais pas, Florent. Très bien. Est bleu, voilà, c'est tout. Je sais pas. Titane. Titanium en titane. Ah ouais, incroyable. J'adore Vas-y, débétune. Je choisis, vote. allez, Calme. Je vote pour la. Débéthune. Non, non, je vote pas pour la débétune. Je pense que c'est la Voutilennen. J'aime bien Voutilennen en plus. Allez, Carrie Voutilennen. Allez. Ensuite, en complication. Complication pour hommes. Monde pour hommes remarquables par leur créativité et leur complexité mécanique, pouvant présenter toutes sortes de complications et d'indications classiques et ou innovantes, par exemple heure universelle, second fuseau horaire, et ne correspondant pas à la définition des catégories hommes et exceptions mécaniques. On a une Beauvais récital, donc ça doit être répétition minute, quelque chose comme ça. Je ne suis pas allé dans le détail non plus. Ouais, Ouais. phase de lune, double hémisphère. Des Béthune tourbillon. Gérard Périgo, Cassar Light, ça a l'air d'être. Ah, c'est Ah, tout en elle fait saphir. penser à Ouais, elle est en la. Elle saphir. fait Ouais, penser à la Excalibur un peu, de. ouais. Là, le boîtier en saphir. Voilà. L'Excalibur, c'est le boîtier céramique, je crois. Ouais, ça va L'Excalibur, aller. c'est qui? C'est C'est Roger Dubuis. Roger Dubuis, ouais, qu'on avait fait la Là, il y review, a. là. Ensuite, il y a la Grebel Ouais. Fortier qui a un tourbillon et qui est Et fait. celle-ci, elle est magnifique, hein. Elle est faite à la main quasiment Jusqu'au jusqu'au rotor. ressort, ouais, Ouais. les vis, Elle tout. est assez Moi, je pense dingue. que c'est celle-ci qui a gagné. La Hermès GMT ou la MBNF HM10. Ouais, moi j'adore Grebel Forcet, mais Ouais, c'est pareil. depuis parce que tout est fait main avec des techniques ancestrales. Moi j'aime bien la DB Thune. Moi, Moi je j'aime vote bien pour la Grebel Forcet. Je la. pense Ouais, que elle est pareil, celle pareil. En plus, qui. Non, ils mais l'ont bien marketé, hein. il gagne tout le temps, Grebel Forcet. Ensuite, en montre iconique.
Monde pour hommes ou pour femmes, issu d'une collection emblématique ayant marqué durablement l'histoire et le marché horloger depuis plus de 20 ans. On a la Breitling Chronomat B01, cadran saumon, la Bulgarie Chrono, Gérard Périgo Laureato. Périgo. Gérard Périgo, pardon. Girard Périgo Laureato. La IWC Portugaise Chronographe, ici en vert. Plage Altiplano Automatique ou la Seiko Professional Diver 1000. Je suis fan de la Chronomat. Je pense pas qu'elle va gagner, mais elle est. Tu l'aimes bien cette montre, toi. Hein. Ouais, marrant, la Chronomat, elle est sortie. Moi, je trouve que c'est une excellente sortie pour Breitling. Le bracelet en rouleau est top, il sort de l'ordinaire. Allez, moi je vote pour celle-là. Je pense qu'elle va pas gagner, mais c'est mon petit poulain. Breitling, Chronomat. Meryl. Moi, je pense qu'avec tout le boulot qui a été fait chez IWC, notamment toutes les sorties des pilotes, les sorties des nouvelles portugaises, la refonte des mouvements, je pense que ça sera souligné, que c'est elle qui va gagner. Donc la portugaise. Ouais. Là, ce qui est nominé, Vincent, on est d'accord que c'est la portugaise chrono, les nouveaux coloris. C'est peut-être que le modèle vert. C'est que le vert ? Parce qu'il y a aussi le rouge. Dial, Sunray, ils disent. Je ne sais pas s'ils comptent que le vert ou toutes. Ok. Non, mais elle est magnifique celle-là. D'ailleurs, à choisir entre la Chronomat et la IWC, je choisis la IWC. Mais la Chronomat, en fait, tout le monde dit ouais, Breitling, c'est mort, c'est pourri. Alors que non. Donc, voilà. Ouais. Et ben moi, j'hésite vraiment entre la IWC et la Piaget. Et je pense que la Piaget peut gagner. Moi, je pense que la Piaget, ils ne la font pas gagner là. Peut-être qu'ils la font gagner sur la Altiplano, tu sais, la dernière. C'est un mauvais choix, à mon avis. Mais okay. Tant pis, moi, je garde Piaget, mais ouais, IWC, j'ai de toute façon, c'est écrit, c'est trop tard, Vincent. Ensuite, en catégorie chronométrie. Montre mécanique présentant un tourbillon et ou un échappement spécial et ou un autre développement améliorant la chronométrie. D'autres indications et ou complications sont admises. On a une Armin Storm Gravity Equal Force, donc il doit avoir un mécanisme de force constante. Bernhard Lederer, désolé pour ma prononciation. Central Impulse Chronometer, que je ne connais pas du tout cette marque. Briven Odo Eccentricity. Chronométrie de Ferdinand Berthou. Ferdinand Berthou, la FB2RE.2. Ouais. Mother Endeavor, la collaboration entre Mother et MBNF. Oh, on sait tous ce qu'on va choisir. Et Carrie Woutilin pour le mouvement. Et Théo Fray, Tourbillon à Paris, l'horloger parisien. Ouais. Alors, à la base, j'étais plutôt porté sur la collab Mother MBNF avec le tourbillon cylindrique. Ouais. Mais la Lederer, c'est un échappement naturel. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ce que je vous ai envoyé. Ah bon ? Ouais. C'est moi je vote pour celle-là, elle est incroyable. Hein. Ah ouais. Ah mais oui, tu m'as envoyé, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais... Ouais. Tu nous rappelles le principe ? Pour info, pour les parce que je dis je vous l'ai envoyé, j'ai envoyé un article sur ce modèle à Meryl et Vincent. Ce modèle utilise un échappement naturel. Le principe de l'échappement naturel. Je ne sais plus. En plus, je l'ai lu il y a 3 jours, mais en fait, je n'ai pas assez bien compris pour pouvoir l'expliquer simplement en 30 secondes. Bon, et ben on va tenter d'expliquer ça rapidement. Alors, l'échappement naturel qui a été inventé par Breguet, et ici sur la droite de la photo, c'est caractérisé par les deux roues d'échappement. Alors, par rapport à un échappement à encre suisse qui équipe la majorité des montres suisses d'aujourd'hui, un échappement naturel présente moins de friction, moins de frottement, parce qu'il n'y a plus d'encre et le contact est direct entre le balancier et les roues d'échappement. Donc pour en revenir à cette montre de Bernhard Lederer, en plus de l'échappement naturel qu'on vient de voir, on a 2 trains d'engrenage complet, et sur chacun de ces trains, on a un remontoir. Donc c'est les 2 ressorts que vous voyez en haut et en bas de la photo. Et le remontoir sont des ressorts qui vont s'ouvrir et se refermer toutes les 10 secondes, ce qui va permettre de négliger les variations d'énergie délivrées par le ressort de barrière. Vas-y, remets les 6. Donc Flo, tu votes pour celle-là ? Ouais, largement. Elle va gagner celle-là. Alors là, si elle ne gagne pas, c'est un scandale. Ok. Meryl ? Moi, je dirais là. J'aime bien aussi hein, Ferdinand Berthou. C'est très, 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 très beau hein, ce qu'ils font. Franchement, c'est magnifique. Mais je vais parler de la H-Moser. Ouais.
Ouais, je pense que c'est dommage pour Moser. C'est dommage pour Moser parce que sans la Bernard Lederer, ils auraient gagné haut la main, mais ça va être compliqué. Ouais. Okay. Moi, j'aime beaucoup. Quoi, alors et Vince. Moi, j'aime beaucoup et je vais soutenir la France. Je vais soutenir Théo Auffray, l'horloger parisien qui a sorti le tourbillon. Ça serait vraiment beau pour le sport. Ça serait beau, mais moi, j'y crois pas. Il y a trop du lourd en face, là. C'est pas possible. Avec les Moser et les Lederer, je vois pas comment Théo Auffray peut gagner. Même l'affaire de Nambertou, elle est magnifique. Hein. Ouais. Ça va être compliqué pour Désolé. Lui. Désolé. On verra. Allez, on continue. Ensuite, calendrier astronomie. Montre mécanique pour hommes, présentant au moins une complication calendaire et ou astronomique, par exemple date, quantième annuel, quantième perpétuel, équation du temps, affichage complexe des phases de lune, etc. D'autres indications et ou complications sont admises. On a une montre de Behrens, la Apolar, que je ne connais pas du tout. Chopard, LUC, Perpetual Twin, donc il y a un calendrier perpétuel. IWC portugaise, Yacht Club, Mood and Tide. Ouais. Parmi Gianni Fleurier, Ijri Perpetual Calendar, donc calendrier perpétuel aussi. Sarpaneva, donc l'horloger finlandais. Lumination Harvest Moon. Et Vacheron Constantin, la Overseas calendrier perpétuel, ultra fine squelette. Ouais, elle est vraiment fine. Ouais, elles sont toutes en or là. Gold. Ouais, full gold. Quoi, c'est... Mais par contre, elle est vraiment fine. Ouais. Tu peux cliquer sur la Vacheron, voir comment. Je sais pas si elle est plus fine que la Audemars Piguet ultra fine perpétuel calendar. Je pense qu'elle est plus épaisse. 8,1 mm, c'est pas beaucoup. Hein. Je crois que ça doit être moins, hein, ça doit être moins que la Audemars Piguet. Ah, je sais pas. Non, la Audemars Piguet est vraiment fine aussi. Mais enfin bref, je vote pour la Parmigiani Fleurier. Pareil. Ah ouais. Bah, moi, je vote pour la Vacheron Constantin. Très bien. Mechanical Exception. Montre pour hommes et ou pour femmes, présentant un mécanisme spécial, tel qu'un affichage innovant ou sophistiqué, un automate, une sonnerie ou une autre fonction acoustique, un mouvement à courroie, ou tout autre concept horloger original et ou exceptionnel. On a une Armin-Storn répétition minute résonance, donc à la fois une résonance et à la fois une répétition minute. Beauvais Récital Brainstorm Chapter 2. Une Jacob & Co Bugatti Chiron. Ouais, l'enfer. L'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. une MBNF. En fait, si ce qu'il faut dire hein, sur la Jacob & Co Bugatti, c'est qu'ils ont repris, si tu cliques dessus, j'ai l'impression que c'est le W16. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'architecture du moteur. Enfin, moi, je ne connaissais pas trop cette montre-là, mais à voir, on a l'impression. Ouais, voilà, tu as les 16 cylindres du moteur et tout. Non, donc, V16. Hein? C'est un W16 dans la Bugatti, mais là, oui, ils ont mis un. Bah, non, c'est un W, oui. Ok. Donc, bon, faut noter la prouesse technique quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. Tout en plus, ça a l'air d'être tout en saphir. Ouais, bah, souvent chez Jacob & Co. Ouais. Donc, ensuite, la MBNF Legacy Machine Thunderdome, avec, je pense, un espèce de gyro-tourbillon. C'est collab avec Moser aussi, là encore. Ouais. Non. Ah ouais. Non, non. Non, non, c'est pas sûr. Sûr que non. Ah non, c'est pas celle-là, non. Non. Non, le tourbillon Moser, c'est un tourbillon cylindrique. Mm. Là, c'est pas le cas. Et vas-y, remets. J'avais raison, en fait. Il y a l'Altiplano. L'Altiplano Ultimate Concept et la Récence. La Récence, elle s'est perdue, là, un peu, quand même, au milieu de ça. Ouais, bah, la Récence, elle peut pas gagner, là. Il y a sûrement une innovation là-dedans, dans la Récence, non ? T'as la température de l'huile, si tu veux. La pression. Il y a la pression de l'huile. Ouais, d'accord. Super. Non, mais ils font une... ils ont un truc qu'ils ont... Ils ont un truc Smart Crown qu'ils ont. Ouais, mais ça, c'est comme sur les autres. C'est sur le truc où tu la remontes à l'arrière. Non, mais non, justement. C'est électronique. Et c'est piloté. Ça va pouvoir être piloté depuis ton téléphone ou quoi? Ouais, vas-y. Bref, la récence. Mais, ils l'ont dit. Il y avait un paragraphe où ils disaient elle fit dans aucune catégorie, mais on la met là parce qu'on sait. Enfin, parce qu'on sait qu'on veut la faire perdre, mais on ne sait pas. Ouais, parce qu'on sait qu'elle gagnera jamais. Donc, c'est dommage pour une BNF parce que là, il tombe contre du lourd encore. Piégé, il n'y a rien à faire. Piégé, hein. T'as vu, pour la remontée, il te file un outil spécial tellement que ces composantes sont fragiles et tout.
Et ben moi, je vais dire, ouais, j'aimerais bien voir la MBNF quand même. Elle est quand même super belle, ce montre. Le Saphir, ouais, mais c'est des choses qu'on a déjà vues. Une montre de 2 mm, une montre de 2 mm d'épaisseur. Mais là, l'écran, la Piaget, là. Pour info, la Piaget, Watchfinder a sorti une vidéo où on apprend pas mal de choses sur la Piaget. c'est aberrant, l'épaisseur. Non, mais c'est du délire. Le Saphir fait 0,2 mm d'épaisseur. Et donc, c'est une montre qui est emboîtée. Donc, le fond de boîte, c'est le support du mouvement. Donc, en gros, cette montre, on ne peut pas l'ouvrir parce que le Saphir est collé. Et pour la maintenir, je ne sais pas comment ils font. Ils doivent peut-être déclipser le Saphir, le décoller ou le casser, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est scellée, la montre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on voit à gauche là, le balancier. En fait, quand ils sont arrivés au bout, qu'ils ont fermé la montre, ils l'ont mis en route. Le balancier, c'était catastrophique. Il perdait 3 minutes par jour, un truc comme ça. Et il ne savait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que le fait que ça soit aussi proche du Saphir et du fond de boîte, ça crée un champ magnétique. Et le balancier tenait plus du tout son temps normal, quoi. Et donc, pour éviter ça, ils ont dû mettre un revêtement, développer un revêtement spécial antimagnétique sur le Saphir. Enfin, c'est du délire. Le taf qu'il y a derrière. Mais, et fais voir le prix, c'est 400 000, hein, c'est ça ? Ouais. 300 ou 400, je sais pas. Il y a le prix là, ouais. 400 000 francs suisses, 410 000. Ouais, donc 400. Non, ce qui est dingue, c'est que tu peux même pas la remonter à la main, quoi. Ouais. Tu vois, pour la régler, tu es obligé d'utiliser. Bon, bref. On est tous sur la Piaget. Non, ouais, moi je suis sur la MBNF. Non, mais si la Piaget gagne pas, si la Piaget gagne pas, c'est un scandale. Bref. Non, la MBNF mérite. Ensuite, dans la catégorie chronographe, montre mécanique présentant au moins une indication chronographe. D'autres indications et ou complications sont admises. On a un atelier de chronométrie. C'est un split ? Ah oui. Non, oui, c'est pas une rattrapante. Ça. Ah oui, si. Si, split second, c'est un truc. Breitling Top Time, la H-Moser Streamliner Flyback. Putain, il y a du lourd là. La Kuruno Tokyo en Reverse Panda, la Louis Monet Memory Superlight et la Parmigiani Tondagraph. Il y a vraiment du lourd. Atelier de chronométrie, j'adore ce qu'ils font, c'est incroyable. C'est donc tu votes pour eux ? Tu connais mon amour pour Moser et j'adore la Streamliner aussi. Sauf que le mouvement de la Streamliner, c'est pas un mouvement Moser, c'est une collab avec les ateliers Agénor, atelier genevois d'horlogerie Agénor. Donc c'est un mouvement Agénor, c'est pas un mouvement Moser. Donc je pense que ça peut les desservir pour le prix. Le design, il est trop atypique. Tu peux pas faire, limiter sur un design comme ça. Je vote pour atelier de chronométrie. C'est magnifique, s'ils font. Pareil, atelier de chronométrie. Je connais pas en plus que Corono et Louis Moinet. Donc. Moi, je vais peut-être voter pour la Corono. C'est une marque que je suis sur Instagram, etc. Et elle est quand même pas mal. Ça fait un peu penser au Zénith El Primero des années 90 avec les différents étages du verre. Sympa. Ouais. Donc j'ai voté pour la Corona, moi. Très bien. Ensuite, en montre de plongée. Montre liée à l'univers de la plongée, dont les fonctions, les matériaux et le design sont adaptés à cette pratique. On a la Breitling Super Ocean, la Doxa Sub 300 en carbone, la Grand Seiko, une Ming, l'horlogerie de Malaisie, je crois. On a réservoir hydrosphère en bronze. Collaboration avec Revolution, le magazine, je pense. Et Ulysse Nardin, une montre de plongée qui a l'air d'être aussi en carbone. C'est pas facile. Hein. La Doxa. Ça va partir chez Grand Seiko. Hein, on sait. Par élimination. Non, mais en vrai, je c'est même pas un modèle qui me fascine particulièrement, leur nouvelle plongeuse, mais par élimination, les autres, donc Grand Seiko. Moi, je vais dire la Doxa aussi, je pense. La Doxa, elle est pas belle, hein, les gars. C'est sympa aussi d'avoir un truc en carbotech là et tout. Mais ça s'y prête bien, moi, je trouve. Mais il n'y a pas d'innovation. Ouais, je sais, c'est ça, il y a rien de nouveau. C'est un spring drive. Hein. Ouais, super. Et alors ? Ouais, c'est vrai que c'est un spring drive. C'est une plongeuse en spring drive, quoi. Ouais. Ok. Joaillerie, montre présentant une maîtrise exceptionnelle de l'art de la joaillerie et du sertissage, se distinguant également par le choix des pierres. Là, c'est la catégorie des enfers, là, c'est ça ? Non, il n'y a plus de catégorie, là. Il y a peut-être des gens que ça intéresse dans notre audience aussi. Hein. Et moi, je pense que
La Jacob & Co. Mystery Tourbillon, elle est pas mal. Hein. Elle est assez stylée. Bon, je sais pas trop comment tu lis l'heure, avec les diamants peut-être. Attends, la Piaget, comment ils font pour faire tenir leurs leur diamants entre eux là, c'est quoi? Non, mais ça tient, tu as du. T'as des... C'est, il y a de la colle, hein. Pistolet à colle. Franchement, là, je vote blanc, je sais pas. Meryl? Moi, je voterais pour la Serpentini parce que tu as une recherche du design qui est liée au nom, quoi. Et j'aime bien Bulgari. Mais la Serpentini, c'est plus. Je crois qu'il y a eu un truc, non, sur la. Ils m'ont tout réinventé. Enfin, bref. Je... Peut-être. Peut-être. Ouais, moi, je... okay. Moi, si j'en avais une à choisir, ça serait la Jacob. Ouais. Ok. Ensuite, en artistic craft. Métier d'art. Monde présentant une maîtrise exceptionnelle d'une ou plusieurs techniques artistiques, telles que émaillage, laquage, gravure, guillossage, squelettage, etc. On a la ouais. Anderson, une Beauvais, une Dior, une Hermès, une Jacob & Co. et une Van Cleef & Arpels. Qu'est-ce qu'elle a, la Anderson Genève, là? C'est une heure sautante, mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de minutes. Donc, je ne sais pas comment tu lis les minutes. Et ouais, je pense. Vas-y, clique. Ou alors, c'est les minutes en bas. Ah non, c'est heure minute. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les minutes en fait. Ah, c'est trop bizarre. Il a l'air d'avoir un guillochage là, c'est stylé. Ouais. C'est quoi, okay. C'est... Moi, je vote. Ah, c'est la plus élégante, quoi, mais. Moi, je vote pour la Jacob & Co. Je la trouve stylée. Bon, elle est, mais elle fait 20 mm d'épaisseur. Ah oui, bah, ça, c'est pour la question, ça. Moi, j'aime bien la Hermès. Ok. Florent. Ou la Dior. Mais mec, jamais je porterai ça, de toute façon. Ouais. Beauvais. En fait, j'allais dire Beauvais, mais en fait, les cornes, elles sont horribles. Mais ouais, c'est horrible. Les cornes de la Beauvais. Ça ressemble à Michel Herbelin, tu sais, là, ils en font des comme ça. Mais parce que ces Beauvais-là, tu peux les détacher et les prendre. D'accord, c'est les Mariage Watch, c'est ça? Non, c'est pas une montre mariage, c'est que tu peux la détacher pour avoir, ouais, l'avoir en montre de poche. Tu l'as en montre bracelet ou en montre de poche. Il n'en reste pas que c'est moche. Enfin, non, ouais, c'est pas ouf. La Anderson Genève. Ok. Anderson, allez, moi, ouais, je dis que la Hermès va gagner. Ok. Moi, je dis Jacob & Co. Ou encore, attends, non, parce que quand tu remontes, la Dior, en fait, le mouvement, tu le vois même pas, quoi. Parce que c'est transparent le haut. C'est pas blanc. En fait, ce qui est sympa chez les Dior, ils le font sur plein d'autres Dior, ouais, c'est que c'est le rotor, ils le mettent devant. Allez, Dior pour moi. Ok. Petite aiguille, montre dont le prix public se situe entre 4000 et 10 000 francs suisses. Les montres connectées sont admises dans cette catégorie. Petites aiguilles, on a une Bell & Ross Squelette, la Breitling Super Ocean, Harbring 2, la Chrono Felix, une IWC portugaise à 40 mm. Oh là là, la meilleure. La Sarpaneva avec la collab avec Moomin, le dessin animé. Ou la Trilobe, on en parlait. Ah. IWC, une des meilleures sorties de l'année pour moi, IWC. Il manquait ça à leur collection, une portugaise en 40, puisque les autres étaient trop grosses. Okay. Donc IWC. Meryl. Moi, je pense que la Bell & Ross, je vais te laisser la Trilobe, mais la Bell & Ross, elle est pas mal. C'est une grosse innovation quand même chez Bell & Ross là, qu'ils ont fait avec la sortie de la BR05. Mm-hmm. Le bracelet, okay, acier, enfin voilà, il y a... Je mets la Bell & Ross. Ok, bah moi je vais pas prendre la Trilobe non plus. Je vais prendre la Bring. Dans une autre vidéo, elle est très bien. Mais je vais prendre la Sarpaneva et Moomin. Je trouve qu'elle est vraiment cool. Vas-y, et clique. En fait, et le dessin en fait avec le lume, c'est différentes couleurs comme ça. C'est les roses derrière. Putain, c'est stylé. Ouais, pas mal. J'aime beaucoup moi les aiguilles là qui font un peu penser à ce que les mêmes aiguilles que chez FP Journe, tu sais. Ouais, un peu ouais. Goutte là. J'adore ce type d'aiguille. Ouais. Ouais. La Abring est magnifique aussi. Hein. Ouais, la Abring est pas mal. Ouais. Surtout Abring, la manufacture en général, c'est aussi, ouais, vraiment pas mal. Okay. Et la Breitling couleur rainbow, je trouve ça un peu chaud. Bon. Ouais, non. Non, c'est moche. Dans la catégorie challenge, qui sera la dernière catégorie de cette vidéo. Montre dont le prix public est inférieur à 4000 francs suisses. Les montres connectées sont admises dans cette catégorie. On a une Behrens Rotary. Qui du coup, il y a une espèce d'heure tournante un peu style heure vagabonde, mais un peu différent, on dirait. Ouais. Breitling Endurance Pro, la Kuruno Tokyo Mori en vert, la Louis Erard régulateur. Le cadran est magnifique de la Kuruno. Ouais. La Ming 27 et la Tudor Black Bay 58. La Kuruno, moi j'adore ce type de cadran. Ouais.
Ah, c'est pas mal. En vert, là, celle-là, elle est vraiment pas mal. Je crois qu'elle est sold out, introuvable. Ouais. C'est combien ça? Bonne question, je ne me rappelle plus. Y a ah pas bah de si, 2000. 2000. Ah ouais, putain, c'est pas mal. Enfin, moins de 2000 euros, quoi. Et là, tu Ouais. as quoi comme. C'est quoi comme mouvement? Je l'ai cherché, je ne me rappelle plus. Je vous le dirai après, je l'écrirai là. Mais... Ok. Sur la La mine, c'est Tudor, sûr. maintenant, c'est leur mouvement en plus qui est dedans. Ouais. T'as Ouais, un quartz dans la Breitling, d'accord, ok. c'est plus des ETA. Ah oui, ça, c'est la Breitling avec quartz à 2006, à 2500 euros. Elle est un peu abusée, celle-là. En plastique, ouais, c'est ouf. Donc, ce sera pas celle-ci, Et non. la Ming, elle Tu est veux pas voir la mal. Ming? Et Il oui, est sympa, le mouvement boîtier. avec. Et Waouh, tu vois, il est chouette, le mouvement. En ultra fine, donc 38 mm, ouais, elle fait 7 mm. 7 mm Ouais. d'épée. Ah, ça, c'est un bon rapport qualité-prix avec une boîte originale en Ouais. plus, pleine de courbes. C'est sympa, les cornes, j'adore comme ça. Pour 4 000 francs suisses. Donc, vous votez pour quoi là-dedans? Qui est le plus gros challenger dans cette gamme de prix? La Tudor, elle est pas mal hein, quand même. Cournot. Ouais. Courono? Bon, avoir un cadran pareil à 1500 euros. Ouais. Eh Vince? ben, La Ming? j'hésite vraiment entre les deux, les gars, entre la Tudor et la Coruno. La Tudor pour une montre de sport, la Coruno pour une montre habillée, je pense que les deux, elles ont. Ouais. Mais je vais prendre. Pense à Ouais. qui va gagner. Pense à qui va gagner, le lobbying qu'il y a derrière, tout ça. C'est vrai que Tudor risque de gagner, mais allez, je vais voter pour la Coruno quand même. J'ai envie de voir la Coruno gagner, même si je pense que c'est Tudor. Ok. Voilà, Super. on est arrivé au bout, les gars. On a tout fait. On verra Belle découverte, hein. peut-être que si on a le temps, on fera une autre vidéo où on débriefera des gagnants. Ouais. Mais en tout cas, on voit qu'il Il y a s'est du passé des level hein, choses. cette année, hein, quand Il s'est même. passé Ouais. des choses, ouais. Intéressant. Ouais. Merci à vous. Hop. Super Vince. Top Merci ton à vous. Et sujet. puis on se revoit, on en reparlera au moment des élections. On verra qui a gagné au final. Allez, à plus. Yes. Ciao. Ciao.